Bienvenue à tous, du coup, sur ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons participer à une toute nouvelle mission. Mission sur Persian Gulf, qui porte le doux nom de Scramble. Alors, nous sommes la dernière patrouille qui se trouve sur la base de Keshm Island. Alors, l'ennemi, très clairement, a très envie de récupérer cette île. Pour ça, ils ont Merci pour ce envoyé prime. énormément de moyens, notamment des B-52 chargés de Mark 82, quand on parle d'une cinquantaine de bombes à chaque fois, qui sont prêtes à carpet bomber notre base. Le tout escorté évidemment par une armée assez friande de MiG-21 et de MiG-29. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'au nord, c'est du territoire ennemi, donc il y a quand même des sites SAM qui n'ont pas très envie de nous voir, donc qui peuvent être assez violent envers nous. De notre côté, on n'a que des EWR pour se donner une idée de là où se trouvent les ennemis. Et nous n'avons pas d'AWACS du coup. D'où le fait qu'on aura besoin de se constituer une certaine SA avant une fois en l'air. Du coup, en plus de ça, pour couronner les carpets de bombes, on a des MiG-21 armés de bombes nucléaires qui sont prêts à foncer sur notre base et larguer leur chargement dessus. Bah écoutez, si tout le monde est bon, je vous invite à vous mute et puis on se retrouve sur la 255 Yes, tous ensemble et puis après on se bien dispatch. bon. Ok, bah du coup, hop là, bienvenue à bord de notre F-14A, avion que je vole pas très souvent pour le coup. Qu'aujourd'hui, petit scramble, des bombardiers qui arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Spoil, il y en a quand même qui viennent du sud, donc il faudra juste faire attention à ça. Et d'ici 30 minutes, en fait, on aura la plupart des vecteurs aériens ennemis qui seront sur zone, donc ça va être sympa. Alors, du coup, on va se mettre la lumière. Ok. Une Rodka, c'était le F-14, il est particulier. C'est pour ça que je m'inflige de prendre le F-14A pour cette fois. Parce que, franchement, pas un avion aussi mauvais qu'on pense. Après, c'est la vieille version, quoi. C'est la version Maverick, quoi. Ok. Ok. Donc là, on claque. Voilà. On passe sur la 155. F15, radio check. Merci, François. Groupe de F-14, Kerbal 11 et Node, prêt au taxi, nous allons rouler direction piste, décoller rolling take-off, puisque personne d'autre est sur la base. Affirmatif, on vient de décoller les deux F-16, la piste. C'est reçu, merci à vous. Hop, flaps en auto. Flaps full, quasi prêt au décollage. Vérification des commandes. Ok, je vais partir. Oh, le F-14. Jamais, j'ai jamais, il a jamais perdu une ride ce truc, je l'adore. 3, 2, 1, je lâche. Flaps up, airborne. Je garde PC jusqu'à 1500 pieds. Puis après, on redirige sur le secteur nord-ouest. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression de pas aller vite avec ma merdouille. Hein. J'ai l'impression d'être obligé de passer en PC pour pouvoir améliorer ma condition actuelle. Écoute, on est à 20 000 pieds, on va continuer à monter jusqu'à 30 000 et puis après on se dégage des zones de scan de cap. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, copie. Je vais quand même passer gate parce que sinon on va vraiment se faire chier avec mon avion. Je suis vraiment désolé, là j'ai pris le A cette fois. Ok chef, j'ai deux signatures à 50 nautiques ensemble, ça doit être un groupe de MiG-21 ou de MiG-29. Copie, j'ai pareil. J'ai un contact seul à gauche. Cap 290 environ. À peu près ça, j'ai à peu près la même aussi. 40 000 pieds. Je t'avouerai que je ne saurais pas différencier les deux, donc si tu veux, je vais regarder à la TV. Groupe numéro 3, F15 FA 18, on rejoint sur leader et leader est en train d'engager un autre ennemi. Ici groupe F14, on engage un groupe de deux appareils ennemis non identifiés. Nous allons procéder à l'identification via TV. J'ai un MiG-21 tout seul, chef. Un au moins un MiG-29 signalé nord-est de base. T'en penses quoi? Pour moi, j'ai qu'un seul truc. J'en ai deux. Un qui est à moins de 40 nautiques et un autre qui est à plus de 50 nautiques. Prends celui à plus de Même cap. 50, j'ai 25 nautiques moi. Ok. Je vais Fox 3 Je sur prends celui qui l'ennemi. est à la fin. J'attends encore de m'approcher pour avoir la zone de sécurité. MiG-29 éliminé par groupe F15. Kerbal 1 Fox 3 sur MiG-21 ennemi. Weapon status pour le F15, j'ai des AIM-7. Ouais, moi aussi AIM-7. Y-break, chef, Y-break. Bien joué les gars, ça c'était leur avant-garde qui contacte, maintenant on pourra pas laisser pas de bombardier. Splash sur cible, good kill sur MiG-21 ennemi. Le deuxième MiG est à 40 nautiques.
Affirmatif. J'attends qu'il soit à 30 nautiques avant d'engager. Oula, je recommence à scanner dans le dos. J'ai une double signature sur ton truc à toi. Ah, j'en ai qu'un. Reagan. Fox 3. T'es locked ou pas? Négatif. Je pars à défensif. Ok, je vérifie TV. Celui que t'as visé a l'air de break. Affirmatif, ça break. Je l'ai TV, je le garde TV le temps que... Perso, je serais tenté de faire demi-tour, de revenir au niveau de la base, voir s'il n'y a pas des ennemis. Voilà. Il y a un ennemi qui vient de pas... qui vient d'entrer dans la zone du WR Long Range, donc du coup, je sais qu'il est à... il est à l'est, plein est. Copie, j'ai deux contacts... Je te laisse, je te laisse les engager alors. Vas-y, engage-les toi. Ici, groupe F14, on se split. Il y en a un qui va engager des Big 29 au niveau nord-ouest et je vais revenir côté est pour assister aux bombardiers qui arrivent dans le long range. Luffy, besoin de renfort côté est. Affirmative, je te rejoins. On a un 16 abattu, on a un 16. Le foc de Amis, il est passé d'armes. J'engage combat 4. On a perdu tout. The fuck. Oh les gars, je viens d'arriver à spike quelque chose à 118 nautiques. C'est un bomber. Deux contacts. J'ai spy à 100 nautiques. Plein nord depuis l'est de l'aérodrome qui aux alentours de plein nord. Je vois 5 contacts aux alentours de plein nord depuis l'aérodrome. Portée entre 80 et 40 nautiques. Affirmatif, on regroupe sur on regroupe autour de l'aérodrome, il va falloir faire du close combat. Splash sur bombardier, la base est sauvée. Priorité, je suis sur la piste là. Je vais poser là tout de suite. Copie. Je peux pas faire de repassage bas là, je peux rien faire. Short range, là ça devient sérieux. C'est toi que c'est le bombardier qui flaire? Oui, c'est le bombardier, j'ai eu. Splash, GG à toi, GG à toi. GG les gars. Vous savez que là on a déjà fait 15 kills, sérieusement, à nous tous. Ouais, je vous ai dit que ça allait pas être une partie de plaisir. Nice, ta canopie ouverte, c'est normal. Ah si, c'est pour pouvoir réarmer plus vite. Copie, parfait. Des nouvelles du bombardier medium range? Je vois que Madzer est en train d'entrer quelque chose. Je sais pas si c'est un bombardier, hein, par contre. Hein. Mais il est lock. Copie. Ça m'intrigue quand même. Ouais, c'est bien bombardier, il part défense. C'est ma priorité, hein, même si j'ai un autre homme. Parfait. Ah si, je le vois, il est juste derrière moi, je préfère de pas le faire. Et splash, Mix on Trail 4-3-1. C'est quand que tu as l'air? Je crois que j'ai les splash. Je suis quasiment en fin de refuel et je vais pas tarder à rien. Tu confirmes le splash, hein, Mazar. Mais il est pas mort ton bombardier, il m'a encore sous toi, tu peux aller l'éclater. Ouais, il est juste derrière toi, dans tes 6 derrière sous toi. Ouais, là ça devient grave là par contre. Non, en fait, il y a une contrail juste au-dessus là. Regardez au-dessus. Affirmative, je vais l'intercepter. Vertical de l'aérodrome là, va falloir commencer à faire quelque chose vite. Oh putain, oui, vertical de l'aérodrome. Ok, il y a un Fox qui est parti. Par contre, c'est ultra flippant de voir ça depuis le sol. Hein. Le Fox a raté, hein, le Fox a raté. Allez, claque-le. Je pourrais faire voir là. Claque tout, il est juste au-dessus de toi là. Je gueule un Fox 3. Mais je peux pas le lock là. Claque un 9X, Fox a un 9M. C'est un MiG Batter. Fox 3, il est parti au fraises. Oh putain, il est parti aux fraises, mais tellement fort! Je splash! Allez, un deuxième pour vérifier! Oh putain! Confirme que c'était un bombardier ça? C'était un. Oh putain, on a eu chaud au cul! Par contre, ça veut dire que l'autre short range, on sait pas où il est. Il y en a un deuxième, il y a une deuxième contre, je sais pas qui c'est, mais. Carbon One au décollage de la piste de Keshm, j'ai oublié le numéro. Keshm Island, piste dégagée. Piouh. F15, je suis en montée tactique. Où est-ce que vous avez besoin de moi? J'ai bombardé 30 nautiques basse altitude. Et je suis lock par un SAM. Donne-moi le cap. Cap 6 par rapport à la base. Un peu au nord du bout de la péninsule est. Il est à 11 000. Ah, non. Moi je valide TV, j'en ai un, il est bas. Altitude 17 000 pieds. Non, pardon, 9000 pieds, 17 nautiques. Putain. T'inquiète pas, je m'en occupe. Fox 3. Je suis à 33 000 pieds. Fox 3 parti. Ouais, j'ai visé sur ta traite. Oh putain, quel enfer. Ok, il avait pris un missile, mais il était pas down. C'était celui de Mazor. Ok, bah je le finis. En attente de résultat. Je pars chercher des fonds. Regarde-moi ce résultat incroyable. Côté nord. Splash, kill confirme. Regan, j'ai lock quelque chose, faut me dire si c'est allié ou non. Ça ressemble à un MiG-29. Eh ben, tu shoot le MiG-29. Bah, je vais m'approcher un petit peu pour confirmer, 30 nautiques, et après je tirerai. Fox 3 sur Bandit,
Je sais pas quelle distance. Non mais t'inquiète, t'inquiète, hein, t'inquiète. Franchement, GG, hein, franchement, on s'en sort turbo bien. Ok, je vais arrêter tout doucement. Ah, il aspire du fuel, je suis Jet Joker. Splash MiG 21. Bien utilisé, cet avion est un monstre. Même un F-14A. Le F-15, mon gars, je vais t'amuser. Hein. Ah bah, c'est le F-15, hein, le radar, il est incroyable. Ok, je patrouille Zones, mais je pense qu'on a fait le tour. Que coucou. Ouais. Et bah, je te fais coucou de loin, Soso. Oh, c'est trop gentil. Ah, quoi? J'ai encore un bon 20-30 nautiques à faire. Hein. Oh là là! Pas un kiss landing, mais c'était mieux que rien. Par contre, le gars qui est à côté de moi qui tangue. Oh putain, c'est la merde derrière! Oh le F-16! Ça va le F-16 là? L'autopilote était parti, l'enfoiré! Non, non! F-16! F-18! Bon, je break la porte. Oh, putain! Okay, bon. T'as failli devenir un clip Twitch! Oh putain, bande de fous! Putain, c'est la chambre. Attention, le F-16. Tu me dis quand faire pause? Pause! Une seconde! Une seconde! Ok, bon. Ah, elle est belle! Hop, on va prendre des petits screens. Bah, tout le monde tire ses missiles. Ok, je suis prêt à une pause, à sélectionner les Fox 2 et on tira. Ok. Ok, préparez-vous. On se donne un petit décompte après des pauses. Hein. Là, je ne pause. Fox 2 sélectionné. Fox 2, allez, 3. Attends. Oh putain, F-16 s'est écrasé, il a tué. 3, 2, 1, tire. Fox 2, pause. Oui, c'est parfait. Je peux pas tirer. C'est pas grave. Non, il est en train de tirer le tien. Il est en train de tirer. Attends, c'est alors, pas grave. Alors là, attendez, c'est tellement une. J'ai un screen incroyable, les gars. Après, faut que t'aies une pause. Après, je te pose en force et je tire. Vas-y, c'est bon, tu peux une pause quand tu veux. Allez, 3, 4. Ah, ça va le. Je peux pas tirer. Ouais. Quel bordel. Non! On va tirer dessus, c'est pas cool! On va Clippez-moi ça! Clippez-moi ça! D'accord, super! Il y a des choses ici qui sont en train. J'ai pas compris! Mais t'es mort toi? Ah merde! Ah, je... Alors, stall compresseur, stall compresseur. Les gars, c'est l'heure de tag view. Oh mec. Non, c'est l'heure de tag view. Là. Oh là là, je suis en train de tomber comme une grosse merde. Oui, je t'ai abattu. Voilà. C'est moi. Non. Oh bah. Allez, quittez vers le bureau. Oh merde. Oh putain. Non. Ah non, là, je suis en vrille. Oh la vrille à plat. Attends, je vais voir si je peux la récupérer celle. Ok. Allez, pousse, connard, pousse. Oh non, je vais pleurer sur le tag view. Ah oh, putain, les gars, le tag view. Sukhoi Doristo, je suis en vrille, je vais perdre goose. Mais le tag view, il va être incroyable, vous allez rigoler quand vous allez voir ma mort. Oh putain. Là, je pense qu'elle est pas rattrapable, celle-là. Non, celle-là, elle est pas bien, là. On va retenter une autre technique. J'ai oublié d'armer mon siège, adieu. Ok. Ah, oh, 15 mégas, le fichier, hein.